Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 146e épisode. Et aujourd'hui, je vais tout simplement vous parler de la licence sur laquelle je vais placer toutes les vidéos que j'ai créées pour ce projet 365 jours. Donc je vous rappelle, mon objectif cette année, c'est de partager mon expérience, puisque j'ai choisi de consacrer une année entière au développement de mes projets web, tout simplement parce que le développement web, c'est ma passion. Depuis longtemps, j'avais des idées, des projets plein la tête et j'avais jamais vraiment pris le temps, et j'avais jamais non plus eu le temps de les réaliser. Donc j'ai choisi de consacrer un an à la réalisation de ces projets-là et en parallèle de partager mon expérience et un peu de mes connaissances aussi en vidéo donc de partager tout ça sur mon blog 365 jours, 365-jours.fr, pardon. Donc voilà l'esprit dans lequel je fais ça. Et récemment, quand on publie une vidéo sur YouTube, YouTube propose de choisir la licence sous laquelle on place la vidéo. Donc par défaut, c'est la licence YouTube standard. Donc pour être franc, j'ai jamais vraiment regardé ce qu'il y avait dedans, quelles étaient les conditions. Sinon, on a la licence Creative Commons. Donc paternité, puisque Creative Commons c'est un ensemble de licences qui sont quand même assez claires dans leur rédaction et dans ce qu'elles autorisent. Donc celle-ci, paternité, c'est une licence qui dit qu'on a le droit donc de réutiliser, de modifier, de copier, de distribuer librement l'objet en question. Et même de le vendre ou de gagner de l'argent avec. La seule condition, c'est de laisser l'attribution, donc la paternité, de dire d'où elle vient, par qui l'objet a été créé. Donc là, c'est la même chose avec mes vidéos. Donc bien sûr, enfin, j'ai déjà trouvé quelques-unes de mes vidéos sur des blogs, sur des sites en question, donc c'est très bien. Continuez comme ça. Donc l'objectif, c'est de partager ces vidéos-là. Si vous avez un blog, si vous trouvez quelques-unes de mes vidéos intéressantes, donc des vidéos sur des tutos, sur des astuces, n'hésitez pas à les partager, à en parler autour de vous. Si vous avez décidé de faire des petites modifications sur mes vidéos, n'hésitez pas aussi. Donc la seule condition, c'est bien sûr de dire d'où ces vidéos viennent. Donc c'est pour ça qu'il y a au début de chaque vidéo l'URL de mon site 365-jours.fr, ou sinon mettez un lien sur votre site, ça fera toujours plaisir. Donc voilà, donc là je vais cliquer sur ce petit Creative Commons et enregistrer les modifications. Et si vous avez déjà beaucoup de vidéos sur YouTube et que vous voulez faire ça en groupe, dans ici mes vidéos, vous aurez accès au changement, à la modification en masse de toutes vos vidéos. Et donc c'est super rapide et très simple à mettre en œuvre. Donc voilà pour le petit modification sur les licences des vidéos. Donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Hein. Si vous pensez que c'est pas un bon choix, n'hésitez pas à le dire aussi. Je prends compte, bien sûr, à chaque fois que j'ai des commentaires, j'essaye d'y répondre le plus rapidement possible, dans la limite du raisonnable, bien sûr. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut!